Miss Magus en ligne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau commentaire sur la chaîne de la Obscure Clan. Et on commence directement avec le gameplay qui nous a été offert par le PA Obscure French et qui va nous réserver une magnifique double nucléaire au sniper qui est le D150. Sur la map Hijack, il était en compagnie de Grenoble et de Fragger qui l'empêchaient de réaliser sa double nucléaire. Ah les petits enfoirés, mais ce ne l'a pas empêché de la réaliser. Donc n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, dire si mon commentaire vous aura plu. À liker un maximum la vidéo, à vous abonner, à la partager, c'est la récompense, ça nous fera extrêmement plaisir. Et surtout la récompense et le pire, sa chaîne sera en description. Allez checker sa chaîne, allez vous abonner, ça fera vraiment très plaisir et à nous aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle chaussure disponible, mais pas la chaussure genre Stan Smith et autres, mais la chaussure la plus stylée du monde. Donc voilà la chaussure, et non ce n'est pas la chaussure de l'armure d'Iron Man. Cette chaussure a été conçue par un français, oui j'ai bien dit un français, c'est très rare qu'on en retrouve dans ses inventions comme celle-ci. D'habitude c'est soit un américain ou un chinois, mais bref on s'en fout. C'est une chaussure ayant la capacité de se fermer tout seul, donc plus besoin de lacets. Et le truc qui fait complètement rêver, c'est que à l'aide de votre smartphone vous pourrez télécharger une application qui vous permettra d'augmenter la température de votre chaussure qui peut monter jusqu'à 90 degrés. Donc l'hiver, plus besoin d'après-ski ou autre, il vous suffit juste d'augmenter la chaleur et hop, vous n'aurez plus froid aux pieds. Et bien évidemment, cette chaussure ne prend pas l'eau. La chaussure est rechargeable à l'aide d'un chargeur sans fil fonctionnant grâce au Bluetooth. Et ce n'est pas tout, grâce à l'application, vous allez pouvoir voir combien de calories vous avez brûlé, le nombre de pas effectués. Cette chaussure est fournie avec une lampe intégrée qui s'allumera automatiquement la nuit quand vous irez faire votre petit footing et tout simplement votre petite balade. Cette chaussure contient du plastique, de l'aluminium et du cuir. Donc oui, ça reste malgré tout une chaussure assez légère. Cette chaussure sera mise en vente pour le prix de 450 € minimum, ce qui n'est pas du tout excessif, et sera commercialisée officiellement en France en automne 2016 et commence à partir de la pointure 40. La société électrique l'ayant conçue est appelée Digistol, une société donc française qui bosse sur cette chaussure depuis fin 2014. La chaussure sera disponible en couleur noir, blanc, rouge ou noir, blanc, orange pour le moment. Peut-être que d'autres couleurs s'ajouteront par la suite. Le nom de cette chaussure est Smart Shoes, donc je vous invite à aller regarder plein de forums et quelques photos sur internet, notamment sur Google Images. Un petit reportage de 3 minutes sera mis en description. Et c'est pas tout, un modèle pour femmes a également été inventé que vous pouvez apercevoir en haut à gauche. Donc oui, style sandale, donc forcément pour femmes, mais c'est la chaussure de base même si... Et c'est pas tout, un modèle pour femmes a également été inventé que vous pouvez apercevoir en haut à gauche. Donc oui, style sandale, donc forcément que pour femmes, même si la chaussure de base est mixte, mais conviendra certainement mieux pour un garçon. La chaussure pour femmes est cette fois-ci disponible en plusieurs couleurs que vous choisirez grâce à l'application sur votre smartphone. Donc la couleur rouge, blanc, jaune, noir, orange, vert et le rose, donc c'est quand même pas mal, et eux seront également disponibles en magasin en automne 2016, mais cette fois-ci pour le prix de 420 €. Pourquoi moins cher, je ne sais pas. Sûrement car ces chaussures peuvent être portées que l'été et n'ont pas tout à fait la même technologie que l'autre chaussure, même si vous pourrez agrandir à l'aide de l'application le talon jusqu'à 9 cm, mais malheureusement pas d'autres informations dessus. Il y aura bien sûr plusieurs types de semelles adaptées pour ces chaussures pour les personnes ne se sentant pas très à l'aise avec les semelles de base. Et oui, certaines semelles auront la capacité de chauffer un peu plus que les semelles habituelles et peuvent monter jusqu'à 97 degrés. Oui, quand même, avoir 97 degrés sous les pieds, c'est quand même beaucoup, mais en pleine saison très hivernale, j'en connais, surtout vous les filles qui seront au paradis. Pour ce qui est du design, il est vraiment très beau et futuriste. Je ne pensais pas qu'une chaussure comme ça, en tout cas à notre époque, pouvait être conçue, sachant que la chaussure n'est pas du tout terminée. Peut-être que d'autres fonctions seront disponibles, en tout cas, ça sera les chaussures... parfaite. Même si j'avoue que se balader avec ça dans la rue ou ouais, ça va attirer l'œil de pas mal de personnes. La chaussure a complètement évolué, et ce qui est encore plus bon, c'est que c'est un français qui l'a conçu. On a enfin réussi à inventer un truc high tech mieux que les américains ou encore les chinois. La chaussure est en exposition au salon CES, donc le plus grand salon électronique des États-Unis, et je peux vous dire que les américains et les journalistes ont complètement kiffé. Putain, c'est quand même fou, nous sommes en 2016 et nous avons déjà ce type de chaussures. Imaginez en l'an 2030 les chaussures et la technologie que nous obtiendrons. Je ne sais pas s'il faudra aller dans un magasin spécialisé ou sur un site pour obtenir cette chaussure, mais je pense pas qu'elle va être directement disponible par exemple chez un Intersport ou courir, etc, etc. On verra. En tout cas, superbe invention, rien à dire à part son prix de départ, mais franchement 450 € pour une chaussure aussi parfaite, c'est pas non plus hyper cher. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce commentaire et de ce gameplay. Dites en commentaire s'ils vous auront plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye, peace. You're my heartbeat, my sound and drum.